Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses, on se retrouve aujourd'hui pour un haul action. Ça fait plusieurs fois que j'y vais, j'achète des petites bricoles, mais vraiment des choses qui ça vaut pas le coup de faire une vidéo quoi. Mais là ce matin, j'ai trouvé des choses intéressantes. J'ai toujours pas trouvé ce que je voulais. Je cherche la colle couleur transparente, glue là. Malheureusement, ça fait plus de 2 mois qu'ils en ont plus. Alors, ça c'est quelque chose que j'achète parce qu'on s'en sert avec nos bricoleuses. Donc le bloc 3 couleurs, craft 1,99. Je pense pas que le prix ait changé dernièrement. J'ai pas souvenir. J'ai pris aussi des. J'ai vu certaines qui en avaient montré. Décotailles feuilles. Alors, j'en ai déjà pas mal d'avance. Alors, certains me servent pour faire des die cuts, hein, parce que je les colle. Je vous avais fait une vidéo, je vous mettrai le i. Et puis, d'autres, des petits, des fois, je les mets sur mon bullet journal. Hein. Donc, celle-ci, c'est celle qui a le vélo. Et puis celle-ci, c'est plus axé sur les abeilles. Voilà, le miel, les choses comme ça. Hein. Donc j'ai quelques tampons là-dessus aussi. Alors ça, c'est. Écotam, c'est 99 centimes l'unité. Voilà. Donc ça, ça va là-bas. Et après, je suis. Alors ça, j'ai pris ça parce que ceux-là, je vais les garder pour couper. Le tissu et les rubans. Parce que les autres, ils s'abîment hein, avec le temps. Et donc, ça, c'est 75 centimes. Voilà. Alors, je voulais vous dire, je garde le meilleur pour la fin. Je voulais vous dire qu'ils ont sorti le rayon de Noël. Donc, ils ont... Ah oui, le rayon de Pâques, pardon. Oh, excusez-moi. Heureusement que mon mari me reprend parce que je dis des bêtises plus grosses que moi. Alors, ils ont sorti le rayon de Pâques. Et comme d'habitude, ils nous ont mis des petits trucs comme ça. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes que les autres années. Donc, c'est pour ça que je les ai pris. Puis je me suis dit, d'ici Pâques, je pourrais peut-être en envoyer aux copines. Regardez le petit lapin, là, c'est mignon. Là vous avez un petit mouton, voyez, comme ça. Ça c'est le lapin encore. Alors là il y a quoi? Là il y a un autre petit lapin, mais ils sont vraiment trop choux. Hein. Alors moi je vais vous dire, ça m'arrive aussi de les redécouper pour pas que le violet paraît. Hein. Parce que je trouve que c'est plus joli. Enfin bon. Après on a un gros œuf, un gros œuf de Pâques. Et puis, je pense que je vous ai tout montré. Ah ben oui, le petit, là, ouais. Voilà. Donc, il m'en reste des autres années. Hein, mais je pense que ça... Oui. Mais c'est plus aussi pour en mettre dans les envois. Hein. Donc, je vous fais... Vous en verrez, sûrement. Hein, parce que je ne les ai pas encore vus hein, sur les vidéos. J'ai pris aussi, parce que bon, les chocolats de Noël, ça va bien. Mais je me suis dit, pour mettre dans un envoi, on met un petit lapin. Ça changera. Hein? Alors, les petits lapins de chocolat. Alors, les déco time, les lapins de Pâques. Ça, c'est pour manger. Donc, ça, je ne vais pas dire le prix. Et les autocollants mousse, c'était 1,69 €. Et j'ai trouvé... des tampons. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, je les ai vus que sur une chaîne. Je les ai vus hier soir. C'est sur la chaîne de Scrapso. Et elle s'est dit, oh, je les prends parce que les boîtes sont sympas. On voit à travers. Au pire, j'y mettrai mes Distress Ink. Alors, je me suis dit, c'est vrai, c'est pas bête. Et puis, elle a fait une démo. Hier, et franchement, je vais vous la mettre, hein, sa démo, parce que sincèrement, ils sont vraiment très très bien. On peut tout faire avec. C'est de l'encre à l'eau, on peut faire de l'aquarelle. Au niveau des tamponnages, ils sont super beaux. Elle a fait un nuancier
son nuancier, il est génial. Il y a des couleurs qui se rapprochent, mais c'est très très bien. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle a fait des tamponnages, nickel. Après, elle a fait avec un masque, super. Et en dernier, elle a fait de l'embossage à chaud. C'est-à-dire qu'elle a tamponné, elle a mis sa poudre transparente et elle a chauffé un petit peu. Et le résultat, il est bluffant. Alors, je me suis dit, ça vaut 2,69 le pack. Hein. Ben, je me suis dit, je vais quand même les prendre parce que, ben, voilà quoi, ils sont vraiment bien. Donc, et puis j'ai un album d'été à faire bientôt, donc sur des couleurs veillées un peu chatoyantes, comme ça, ça sera super. Puis les couleurs après, le bleu qui peut servir pour l'été et tout. Donc, voilà pourquoi je voulais vous faire ma petite vidéo. Elle n'est pas longue, mais je vais vous la passer dès aujourd'hui. Je vous dis à bientôt les scrappeurs et les scrappeuses. Au revoir.